Et bonjour. Alors, on se retrouve sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'ai pas du tout oublié d'activer le micro sur mon début d'enregistrement précédent. C'était pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs sur ce Let's Play. Mais voilà, du coup, bon, j'ai récupéré un ou deux Korogu. On est parti de là. Au final, en fait, le chemin qu'on a fait, c'est ça. On a affronté des ennemis là. Et là, j'ai fait le tour d'une montagne au lieu de contourner. Enfin, non, je suis monté sur la montagne au lieu de contourner comme un connard. On a récupéré un Korogu ici. Voilà. Voilà. Et là, on avait croisé des ennemis par là, et visiblement, ils nous en veulent encore. Et sachant qu'il y a une des tours là où il y a 12 milliards d'ennemis. Et une serpe au-dessus. Ah ben voilà, la musique s'est calmée. Très bien. Et du coup, on arrive vers la quête principale. Tandis que mon envie de retourner au plateau du prélude se fait des plus fortes. Voilà. Et un Korogu se cache ici. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais même plus ce que j'ai dit en début d'épisode au final, à part essayer de résumer rapidement ce qu'on a fait. Avant qu'on réalise que le micro était coupé. Que donc il n'y avait que la musique du jeu. Hop. Ah mais il est où le... Ah, ça va là. Ok. Ouais, bon. Vers ça. Secours. Mais là, je crois qu'il y a 12 milliards de Korogu d'ailleurs ici dans cette zone. Voilà, des Korogu. Dont on a encore cruellement besoin, étant donné nos places d'inventaire. Qui sont assez insuffisantes. Yes. Et donc ouais, on se retrouve ici, qui est un endroit bon, qu'on a vu aussi hein, dans l'ère du fléau. Ça, bon, on l'a vu en créature divine. Cette partie, le passage, on l'a vu en créature divine, même si on arrivait de vers là. Mais bon. Ah bah oui. Bien sûr. Je peux pas grimper sur les grenouilles. Eh. Alors eux, je sais ce qu'ils veulent. Quoique, attendez, est-ce que si j'offre une pomme, ça marche? Ah oui, du coup, ce que vous avez raté aussi, le truc que j'ai fait au début. J'ai un amiibo, donc du coup, je scannerai des amiibo des fois en début d'épisode. Quand j'enchaînerai pas, ou quand j'y pense. Voilà. Peut-être des fois, je le ferai aussi hors cam. Je ne sais pas. J'ai pas de bouclier aussi. Je vais déséquiper mon bouclier. Attendez, ça c'est... Non, pas du tout. Attendez, y'a un truc là-haut. Ouais. Non mais attendez, j'ai vraiment fait ça du coup. J'ai vraiment fait genre ça, ça, vu qu'il y avait pas de Korogu. Enfin, y avait un Je l'ai pas activé le Korogu. L'amnésie est totale. Ouais non, voilà. Mais je l'ai pas activé l'autre truc. Bah non, puisque je suis pas sur le... Ah mais j'en ai pas. Ah. Ah bah... Ça règle la question du coup. Bon. Tant pis. On a pas ce qu'il nous faut. Ah oui, j'ai pris un milliard de photos aussi. D'ailleurs, est-ce que on a les champi tempo en photo? Non, mais par contre, c'est une like. Ah bah non, on n'avait pas les champi tempo. Non mais. Merci. Non mais du coup, ça sert à rien que j'aille. Dangereux ici, hein. Ça sert à rien que j'aille là-haut. Parce que je pourrais pas activer les Korogu. En vrai, je suis en train de me faire la réflexion que j'étais vraiment pas obligé de passer par ce chemin-là. Là, je l'ai fait, mais...
C'est vrai que si j'avais voulu la jouer comme d'habitude, je serais passé par les hauteurs en fait. Je serais jamais allé là. Mais bon. Une fois, on prend le chemin Vanir. Non, mais c'était aussi le chemin par lequel je l'ai découvert. À peu près, je pense. Bon, je vais faire quelques zigzags, mais... À peu près, quoi. Hop. Ok. Donc ouais, ça fait encore une fois quelques temps que j'ai pas tourné sur le jeu. Mais bon. Ah, salut. Mais bon. Je m'en fais pas... Je m'en fais pas des masses. Ça fait moins de temps aussi que la fois d'avant. Non mais... Oh, t'es pénible. Voilà. Arc à double en coche. Déjà on fait ça. Et les arcs. Mes arcs. Alors celui-là, bon voilà, salut. Tant pis. Hein. Tant pis, j'ai peut-être besoin de toi, mais on va dire que c'est pas de toi dont j'ai besoin. Je ne sais plus. Pas très grave au pire. Je l'ai pas pris en photo. Tant pis. Non mais ça c'est insupportable à prendre en photo. Est-ce que je l'ai eu? Yes. Les insectes c'est les pires trucs à prendre en photo dans ce jeu. Ouais salut. Le problème c'est que cet arc c'est pas le... C'est pas le meilleur arc pour eux, mais bon, voilà. Pas en prendre en double, c'est pas la peine. Même si un arc x2, c'est toujours sympa. Hein? Pourquoi je me rappelle plus ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, pourquoi il est censé avoir un sanctuaire ici? Non mais non. Bon. Au pire ça marche. Hein. Au pire ça marche. Mais... Toi qui es en quête de force, offre à l'obscurité la luisante pierre bleue. Ah mais ça c'est... Ouais mais ça passe pas tout de suite ça du coup. Je me rappelais plus de ça. Hein. Je me rappelais plus du tout de ça. Hein. Mais j'imagine que c'était ici qu'on devait mettre du coup... je sais qu'il y avait eu des tests pour la pierre de Cocorico. La mettre à un autre endroit. Mais donc j'imagine que c'est ça. Non mais... Touché. Ok. Bon, on va marquer l'endroit. Hein. Genre là. On va dire que là. Voilà. On va mettre une étoile. Ok. Bon, bah, let's go. Let's go, le repère des Liga. Accomplir la mission que nous a donné Riju. Et honnêtement, je sais pas si on va réussir à le faire en une traite. Ça va prendre plus d'un épisode. Idée. Mais on y est, je crois. Elle est où l'entrée? Elle est là, ouais, c'est bon. Oh! Mais non, mais... Oh la les dégâts de la flèche!
c'est normal que je prenne si cher. J'imagine, hein. J'imagine que c'est ça ma vie, hein, mais... Mais non, mais... Ok, un de moins. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Ouais, c'est bon. Ok. On va prendre l'épée royale. Ça se prend en photo, les rubis? Ah bah, les bananes lamouilles, bien sûr. Non, on en avait jamais eu. Je suis surpris. Qu'est-ce qui fait Gling Gling? Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'ils aient Gling Gling. Ok. J'entends un bruit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, rentrons là-dedans. Ça risque d'être un peu moins violent que dans Hyrule Warriors, je vous préviens. c'est normal. Elle tombe bien cette torche. Ok. Bon, pour l'instant, on va juste ouvrir, hein. Comme des malpropres. Prendre 2-3 chauves-souris derrière, mais c'est pas grave. Hein. On regardera après. Oh, il y a tellement de chemin. Hein. Terrible. C'est parti. Hein. Ah. C'était par là. Mais je m'en fiche. Je m'en fous en fait. Non mais on brûle tout et ensuite on regarde. Le problème c'est que je risque de brûler ce qu'il y a aussi dans la caisse. Non c'est bon. Si. Si ça a dû brûler. Hein, mais... Salut. Le loot. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est mon point de départ. Là, il y a un coffre. Non mais... Prends ces pots. Et casse-les. Ah, à la limite, ce que je peux faire. Mais non mais... Magnifique. Magnifique, Link. Je ne sais que de quoi te dire. Allez, prends le loot. Hop, ok. Oui, on avait dû le coffre. Il oublie le coffre. Il ouvre tout pour oublier le coffre. Un saphir brut. Ouais. 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 Là, y a rien. Il y avait juste des chauves-souris, quoi. Mais attendez. Ça, ça ressemble aux structures des sanctuaires, en vrai. Ah, mais non, c'est juste... Ah, mais attendez, ça vient de là, le truc des 8 héroïnes Niga, ou pas? Parce que là, il y a combien de statues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah... Pas des 8 héroïnes. Que la 8ème héroïne était une Niga. Plus que les 8 héroïnes Niga. Parce qu'effectivement, là, il y a 8 statues. Bon. Bref. Je sais plus ce que j'ai visité, ce que j'ai pas visité. Là, il y a rien. Ah. Là, il y a des trucs. Ouais.
Acceptable. On accepte. Ah bah non, c'est pas des trucs de sanctuaire, je peux monter dessus. Allez, let's go. Let's go, on continue à s'infiltrer. Et là, pour le coup, l'infiltration commence. J'ai aimé ce moment. Salut. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre, tu sais. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades et là, ça en sera fini pour toi. Si seulement il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici. Alors enfuis-toi. Je crois bien un moyen d'en sortir toute seule. C'est vrai qu'on peut les attirer avec des bananes. Va-t-on le faire? J'ai des gros doutes. Enfin, sauf quand on n'aura pas le choix. Je sais plus si on a le choix ou pas. Hein? Oh non, 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 je suis pas là. Ah, il va voir. S'il me repère, c'est fini. Hein. Je vous le dis, s'il me repère, c'est la fin. Hein. Ah ouais, en plus, non, c'est une vie. Hein. Je crois que c'est... Ouais, non, non. Ah ouais, ça va me bouffer toutes mes vies, en fait. Parce que je crois que c'est un game over. Hein. Si c'est un game over, c'est une vie. Hein. Je sais plus si j'ai le droit de les tuer. Je sais plus si je peux les tuer, en fait. Il y a ça aussi. Oh là là. Ok. Alors là, il y a quoi? Là, il y a rien. Donc là, il y a un endroit pour se cacher, quoi. Quoi? Non. Non, non, non. Oh mon dieu. Je peux escalader? Je me rappelle plus. Ouais, mais le problème, c'est le bruit que je fais. Si j'escalade, le problème, c'est le bruit que je fais. Où il va? Et l'autre, il est là. Oh là là, les pires timings. Non mais il vient sur moi. Je peux passer par là. Arrête. Arrête de faire de la merde. Oh, je déteste les phases d'infiltration de base. Mais c'est vrai que je me rappelais plus ou moins que ça... Enfin, je craignais un peu ce moment. En réalité. Yes. Alors là, il y a un trou, je crois, non? Il y a un trou ou il y a un ennemi? Il y a un sale bail, il me semble. Non? Ah non, c'est juste la gratuité. C'est peut-être là où le jeu il est en train de te dire utilise des bananes. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que ça pourrait me sauver la mise. Je m'attendais à avoir des bananes. Ok. Yes, je sais plus si ils peuvent te repérer quand t'es en haut. Je suis la nuit. Ok. Je crois que c'est là qu'il faut qu'on aille, sur l'escalier qui est là. Mais j'avoue que j'en suis pas certain. On va faire le tour tranquille. Hein. On n'est pas pressé. Le principal, c'est pas se faire repérer. Je crois pas que ce soit spécialement long en fait cette phase. Mais attendez, parce que ça mène là. L'escalier menait là. Il y a une ah non, c'est là, c'est lui. Je crois que c'est lui le problème. Je crois. Alors après, est-ce que... Il y a un monde où je fais tomber les bananes de la des hauteurs, en fait. En fait, je pense qu'il y a totalement un monde où je fais ça. Vous
bien parce qu'à chaque fois que je vais là, je crois que je résous le truc jamais de la même façon. Parce que j'oublie tout le temps comment je le fais. Comment j'avais fait la fois d'avant. C'est comme le plateau prélude, c'est une zone que je trouve vachement... Ah mais attendez, en fait on s'en fout. Mais... Comment c'est... Quoi? Attendez. J'arrive où là? Non, j'arrive pas au bon endroit. Oui, non. Mais je suis où là? Yes. Attendez. Je dois venir de l'autre côté pour arriver là? What the fuck? Bon. En tout cas, je peux aller là. Là, il y a un coffre. Link qui s'ajambe dans le lit. Là. On se raccroupit. Et c'est là où on s'amuse. Parce que là, il faut qu'on arrive à lancer une banane. Pour que le mec s'écarte. Oh là là. Bon. On a combien de bananes? Ouais, 26. Je sais plus combien de temps il met à bouffer sa banane. Le problème, c'est que j'arrive pas à le voir. C'est tout. Ah, yes. Y a pas moyen de faire ça mieux. Genre si elle tombe là la banane. C'est mieux ou pas? Non il s'en fout, il l'a pas vu. Connard. Ouais non, parce que là il y en a 12 000 en plus. Je sais pas où c'est l'endroit optimal à l'envoyer, pour l'envoyer. Parce qu'après en vrai, au pire je fais juste un saut. Au pire je fais juste un saut derrière. Tac. Mission accomplie. Ok. C'est bon, on peut souffler. Alors, le sacro-saint trésor. Qui était là. Voilà. Mais ouais, ça me parlait. La banane. Et là, regardez, level design intelligent. On voit des coffres, du coup on va utiliser ça. Du coup on va voir ça. Et voilà. Non, c'est pas ici qu'il était. Je sais plus où c'est. Je sais pas si y a un endroit qui ressemble à l'endroit où on voyait Koga et. Comment il s'appelait? Astor. Parce qu'on les voyait quelque part là dans le repère des Yiga, mais. J'aurais pas trop dire où. Tac, il y a ça aussi. Ok. On y est déjà? Ok, let's go. Mm-hmm.
T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là où je fais ma sieste, alors du vent. Hein? Ce truc accroché à ta ceinture. Me dis pas que c'est la tablette Sheikah. C'est bien elle, hein? Ah! Mais alors dans ce cas... C'est toi, Link, le Minus qu'on a cherché partout? Ah, quelle veine! Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup, mais quel abruti tu fais! Oh mais attends, quel manque de savoir-vivre! Je ne me suis même pas présenté. Je suis... le chef suprême du gang des Yiga. Le beau, le puissant, le seul et l'unique. Le grand Koga. Prépare-toi à mourir. Allez. C'est parti pour le boss. Ouais, non, mais pas un, peut-être pas un truc niveau 3 d'entrée. Alors, comment on l'affronte, lui, déjà? Je sais plus comment on fait. Je sais plus. Non, mais pas la torche. Si je l'attaque à la torche, ça va pas lui faire grand-chose. Non mais... Bon. Ça marche. Mais non. Phase 2. Les petites boules. Ouais. Bon, par contre, je vais peut-être changer d'arc. Hein. Pour faire ça, je sais pas si c'est le meilleur. Non, on a changé d'arc. Tiens, on va prendre l'arc à double encoche. Let's go. Ah, non. Bon, ça, c'est gratuit. Mais non, mais trop tôt. Maintenant. Petit doublé. Je pense pas que le deuxième coup est compté, mais c'est pas grave. Et la phase 3. Là, il est vénère. Et la grosse boboule. Et voilà. C'est impossible que tu arrives à me tenir tête, t'es qu'un Minus. Si tu crois que je vais laisser passer, c'est un tel affront. Faut pas que je me laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur ce système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. J'ai une idée. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser la canne secrète de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. Ah, t'as jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai? Je te vois même plus. Peu importe.
puisque tu vas disparaître. Seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Lâche, lâche, je m'en souviendrai. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. C'est vrai que quand on y pense, ce coffre il vient de nulle part. Mais le masque du tonnerre, la relique Gerudo que vous avez reprise au Higa, aurait le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez donc grand soin jusqu'à ce que vous le rendiez à Rinju. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. Sacré trou, hein. Bon, normalement, ouais, voilà, normalement, il y a un chemin. Il y a un chemin. D'ailleurs, est-ce que... J'oublie à chaque fois. Je crois que c'est ça à chaque fois que je veux vérifier. Et je l'ai jamais fait. Mais est-ce que si j'ai... Est-ce que je peux arriver par là direct, en fait? Je pense que oui, hein. Ouais, j'ai quand même froid, hein. Ouais, j'ai quand même froid. Ok. Ok, super. Ok. Voilà, tiens. Allez, let's go. Mais il faudra que je teste un jour. Un jour, je testerai. Voir si on peut arriver par là direct. Et si du coup, on a directement le combat. Sans se taper la phase d'infiltration. Non. J'ai grillé toute mon endurance. Oh, c'est beau, ça. En fait, il a pas d'arme. Donc, je m'inquiète. Pour rien. Absolument rien. Non, mais c'est un enfer. C'est... Quand est-ce que ça s'arrête? Dégage. Non mais non. Non. Oh, c'est insupportable. On l'avait déjà. Yes. C'est bon? C'est bon, il m'a lâché? Non, non! Mais si même la fleur veut me tuer, qu'est-ce que je peux faire là? Alors c'est vrai qu'avec mon épée, j'aurais pu les one-shot. Il est vrai. Oh. Il a pas bougé alors que je suis à côté de lui, quoi. C'est un miracle. Coucou. Ok. Non, mais on prend si cher. Chaque coup, c'est une... Misère. Une douleur. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Fouille-je, qu'entends-je? Que fais-je? Pourquoi là, il y a doux? Non, c'est toujours le dragon. Alors ça sert à rien que j'aille jusqu'à lui. Ah mais... Salut toi. Salut petit Korogu. Ah, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. C'est faux. C'est faux en fait, j'ai pas tout mon temps. Parce que je vais bientôt mourir de froid. Bon allez. Prenons le temps. Prenons le temps. Après tout, on a fait les Higa. 34 minutes, oui, ça va. Bon, ça va. Ça va. On peut aller retourner voir Riju et on sera bon, hein, pour cet épisode. Par contre, c'est long. Allez, hein. Je sais pas s'il y avait... Il me semble qu'il y avait un autre moyen de...
de dégeler le truc, mais je sais plus. Il n'y avait pas un autre moyen, un moyen plus opti ou je sais plus quoi. Ah genre, peut-être ça. Ouais mais j'en ai pas. Oh c'est tellement agréable. Trop ce son. Allez. Un court au bout, hein. Ok. Non mais ah par contre ça là. Ça par contre. Ah mais j'ai pas de flèche de feu. Donc c'est, non c'est de la c'est la c'est pas la bonne idée. Mais par contre. Faut que je fasse ça. Parce qu'en gros, ici, il y a un... Il y a un sanctuaire, hein. Je pense que clairement, ça, là-dessous, il y a un sanctuaire, quoi. Mais, je peux pas. Je peux juste pas faire ça. Pas sans flèche de feu. Ouais, non, non, mais non. C'est mort. Salut. Ça va? Tout de suite, hein. Petit rabat-joie, là, comme ça. Bah, par contre, il est encore sur moi, là. Mais c'est bon. C'est bon, d'accord, ça va, j'ai compris. Baguette de glace. J'ai une épée des glaces. Bon, au pire. Ouais, mais. Non, non! Secours! Pourquoi il faut que ce soit l'apocalypse? Non! Mais non, mais au secours! J'y tape. Ah, c'est impératif de faire un headshot, ouais. Non. Headshot, on a dit. Yes. Pourquoi je suis en train de faire ça? Alors, je sais pourquoi, mais... Non, c'est... Non, c'est... Il est où? Ok. Déjà, on prend ça en photo. Ensuite, on jette cette arme. Pour récupérer une baguette de glace de mort. Fair enough. Ok. Donc maintenant... Maintenant, je viens de me rappeler de la strat, je crois. Je crois que la strat, c'est ça. Ils sont où? Là. En vrai, si j'en prends 3, c'est pas mieux. Voilà. Mais oh là là. Ouais. Ouais, ça va quand même être très long. C'est audacieux ça. Hein. J'étais pas loin de prendre ma bombe quand même.
Ouais, voilà. Il y a bien un sanctuaire là-dessous. Hein. Alors la question c'est, est-ce que mon feu de camp est encore efficace? Je crois, oui. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas clair. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de réutiliser encore d'autres fagots de bois? Je ne sais pas. Vite, vite les feux. Vite, allez près des feux. Voilà. Et là, on attend. Et là, on attend. On aura fait le gang. Oui, on aura fait le gang des Yiga. Mais on aura fait le repère du gang des Yiga aujourd'hui. Ça va. Ça va, on aura avancé quand même. La prochaine fois, je pense qu'on essaiera d'aller faire Vanaboris. J'espère qu'en un épisode, ça peut le faire. Non, non, mais reste près du feu. On le voit, hein, on voit que ça se diminue. Hein. Tant que ça diminue, c'est que... Par contre, là, hein, le problème, c'est que ça diminue plus. En fait, tant que ça goûte, quoi. Si je dis pas de bêtises. Quand est-ce que ça s'arrête? Vous savez quoi? On va encore en faire un. Voilà. Sans moi, on s'embête pas. Non, mais là, on y est presque, non? Ouais. En fait, le problème, c'est que ça marche, donc c'est ça la strat. Hein. C'est vraiment ça la strat, y'a pas d'autre truc. Hein. Enfin, si, y'a peut-être un autre truc, mais là, comme ça, j'ai pas. Est-ce que les bombes? Non, les bombes, ça sert à rien. Les bombes ne font pas de chaleur. Si j'avais une torche, j'ai pas la torche, j'ai plus la torche, ni la torche. Parce que j'imagine que ça accélère le processus, mais bon. Sinon, je fais encore un autre feu. Oh là là. Yes, let's go. Alors est-ce que le sanctuaire est une fin en soi? Est-ce que l'accès n'était pas déjà suffisamment laborieux pour qu'on me donne pas la récompense directe, genre? Ou est-ce que je vais devoir faire une énigme en plus? Petite idée sur la question. Ouais. Danger pour la glace. De la glace tu m'auras offert, le chemin te sera ouvert. Alors déjà on va enlever notre épée. À la limite j'ai envie de mettre ça. De conserver au maximum. Bon, du coup, il va falloir livrer le cube de glace sans qu'il fonde trop. Donc en restant le plus à distance possible des flammes. Putain. Vite. Ouais. Ok. Non. Stop. Yes. Le glaçon, il est encore vivant. Ok. Ok. Alors on va le poser là. On va reprendre notre truc qui décidément nous est bien utile. Par contre, j'ai pas vu de coffre. Chose qui m'inquiète un peu, je n'ai pas vu de coffre. Chose qui m'inquiète un peu, ça aussi. Attendez, c'est quoi le délire? C'est
quoi le délire déjà? Parce que là j'ai une idée mais ça fonctionnera pas je pense. Attendez. Pourquoi ça me sert de pouvoir redescendre là? Ça je comprends pas en fait. Enfin, de descendre ou remonter. Ah mais, oui, d'accord. Bon ok, le coffre vu. Alors non. Je croyais que j'avais brûlé, mais c'est pas ça. Par contre, épée des glaces, ouais. C'est toujours pratique d'avoir une épée en bois. Sans jamais. Par contre, j'ai toujours un problème. Le même problème en fait qui est à part parce qu'en gros mon idée je suis pas sûr que ça marche mais oh, j'ai envie de tenter, on va tenter en fait je vois pas là comme ça, je sais pas donc écoutez, on va tenter comme ça. Moi ça m'aidera pas à passer, certes. Faut bien que ce soit. Voilà. Alors. Ça devrait aller, hein. Non! Retomber là quoi. Oh là là. Non mais ah, après du coup il y a moyen de il y a moyen peut-être de le bourrer pour qu'il se retrouve là-haut hein. Attendez hein. Yes. Non mais... Comment je le casse? Comment je refais? Je veux recommencer. Je veux reset. C'est mort. C'est mort. Oh là là. Non mais pourquoi? Pourquoi on était bien sur la durée de l'épisode? En vrai, il y a une autre strat, mais. Oh là là. En fait, il y a la strat de. Le truc devient assez petit. Je peux le lancer au-dessus, ça. Voilà. Par contre, moi, je vais pas au-dessus. C'est une solution. Plus ça fait ripop le cube. Yes. Sinon, je le fais le tour par là. Ouais. Allez. On va y arriver. Parce que le cube est presque assez petit finalement pour être poussé. Au pied final, donc je veux. Bon. Parce que le truc, c'est que là. En vrai, je pense que mon idée était pas si mauvaise. Juste que j'ai trop bourré.
finalement. Bon. J'ai peur de l'avoir fait trop. Ah, ça y est, on commence à avoir quelque chose là. On commence à pouvoir le pousser. Allez. On va faire 3 coups. Hein. Ne tombe pas, mais putain, salope. Ah, mais parce qu'en fait, même là. Oh là là, d'accord. Super. Et bah c'est reparti. Je veux vérifier un truc du coup. Ouais, il y a bien un moment. Ok. Il y a bien un moment où il devient tellement petit que... Que tu peux... Tu peux pousser à pied. Peut-être là, ça peut être une strat. Hein. En vrai, c'est peut-être la strat qu'on va adopter. Hein. Parce que là, le temps passe et ma patience trépasse. C'était voulu. Hein. Ok. On va devoir récupérer le cube. Parce qu'après, enfin, après je peux tenter de le faire passer directement dans les flammes, mais j'ai peur que ça l'efface complètement, quoi. On peut tenter, ceci dit. Après tout, pourquoi pas. Peut-être que je m'en fais pour rien. Hein. Parce que si je fais genre ça, finalement tout va bien. Bon, il a pris un petit coup, certes. Je veux dire, il veut de la glace, il a pas dit en quelle quantité. Hein. Si je lui apporte un glaçon, il va se plaindre. Hein. C'est raisonnable ça. Yes. C'est marrant, pendant que le temps s'arrête comme ça, les cheveux de Link, non. J'ai jamais remarqué. Bon. Un nouveau sanctuaire. On n'a pas fait... Bon, on n'en a pas fait, en fait. En fait, on n'en a pas fait aujourd'hui. On a vu les traces d'un sanctuaire. Oui, on l'a vu en vidéo. C'était avant... Enfin, après le cut. Bon, est-ce que du coup, on va voir Riju maintenant? Ouais, je sais pas. Hein. Alors que 50 sanctuaires. Presque à la moitié. On est presque à la moitié des sanctuaires. Finalement. Non, moi je dis voilà, on a un sanctuaire, on a validé la zone là. J'imagine que là c'est la tour, mais j'en sais rien. Moi, je dis on peut retourner à la cité Gerudo. Tranquillement. Juste s'arrêter devant. Ouais, à la limite, allons devant le palais de Riju et arrêtons-nous là. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Comme ça, au moins, la prochaine fois, on reprend direct la suite de la quête. Et après, on ira sûrement au plateau du prélude. Je sens qu'on a encore deux créatures divines à faire. Encore 3 techniquement, mais. On n'aura plus que 2 quoi. Ah tiens. Non, mais on a dit non. Oui. Alors par contre. Là, il faut que je mette mon autre tenue. Là, j'ai pas le choix. Mais du coup, je peux faire ça. Hein. Vu que je suis en tenue.
Ouais. On s'en fout. On ne dit rien. Salut Bourgette. Oh, je vois, je vois. Il y a donc ça. Et là, c'est comme ça, évidemment. Hein? Quoi? Tu veux savoir ce que je fais? Ça se voit peut-être. Je me renseigne sur les rumeurs. On parle de la créature divine dans la cité. Si je récolte assez d'infos, je pourrais sûrement me faire un max de blé. T'as appris quoi? Par exemple, il semblerait que ces deux boss produisent de l'électricité. Yes. Puis il y a une sorte d'entrée vers sa queue. Alors ça veut dire que c'est possible d'entrer à l'intérieur. Mais c'est bien trop haut et de toute façon la créature balance des éclairs à tout va. Je pense pas qu'on puisse entrer normalement. Le mieux ce serait que quelqu'un me ligote les pattes de cette grosse bestiole pour la faire tomber et... Mais pourquoi je te raconte tout ça moi? Trouve tes infos toute seule au lieu de les chourer. Yes. Bonjour. Barre le filtre d'amour. Bon, non mais on a dit devant Cheridju. Ça me parle ça. J'ai une réminiscence d'un coup qui m'est venu. Salut toi. Hé, hey, t'as fini de me regarder comme ça? Je peux même plus manger tranquille. Maintenant? Allez, où se du balai? Mais t'es bouché ma parole. Tu crois que c'est agréable de manger quand quelqu'un te scute comme ça? Sauve-toi de là tout de suite. Ouais. Yes. Ne faites pas ça chez vous. C'est par là, Cheridju? Ouais, c'est pas loin. Ouais, c'est par là. Ah bah elle est pas là. Mais comment je fais là? Rijo se trouve à l'étage, t'autorise à entrer dans sa chambre. Je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. Alors écoute-moi bien, avorton. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer au prix fort, c'est bien compris? J'ai compris. Mais attends, elle est où sa chambre déjà? Elle est où sa chambre? Elle est là-bas, elle est là-haut. On va s'arrêter devant. Ah bah voilà. Très bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour cet épisode numéro je sais plus combien. 22, 23. Quelque chose comme ça. De notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quels sont les challenges? On n'est pas mort. On aura réussi à faire le gang des Iga et en s'étant infiltré à peu près proprement. On a sûrement dû louper plein de choses là-bas. C'est sûr. Mais bon, écoutez. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Bye bye.